Vous donc... Réflexion du jour. Des analyses sur des sujets toujours d'actualité. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de RVM. Ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur, euh, sur la croix. Et nous allons... Examiner maintenant un, un autre aspect, une autre vérité de la croix. Nous avons vu tout au long de cette semaine, notamment dans 1 Corinthiens, que la croix de Christ est la puissance de Dieu pour nous sauver du péché. Le Nouveau Testament enseigne que c'est à la croix que Dieu nous a sauvés du péché. C'est par la croix que nous sommes rachetés du péché. Mais afin de pouvoir apprécier pleinement cette vérité, nous devons d'abord saisir ce qu'est le péché. Pour plusieurs, nous l'avons vu, le péché se limite à la transgression de la loi. C'est juste, c'est biblique. Mais dans les Écritures, le péché représente plus que cela. En fait, le péché n'est pas un problème unique, mais un double problème. Le péché se définit premièrement comme un acte. Cet acte peut être décrit comme le fait, on le dit parfois, de manquer le but, selon la signification que prend le mot péché dans le Nouveau Testament. L'acte peut être aussi présenté comme une violation de la loi de Dieu, ce que la Bible appelle une transgression. C'est une violation délibérée, hein, tout à fait consciente et volontaire de la loi de Dieu. Le péché commence avec aussi également le consentement de l'esprit devant un désir pécheur, évidemment parfois suivi d'un acte. N'est-ce pas Tout le processus d'ailleurs est bien décrit par Jacques. Le démon ou la chair viennent à vous sous la forme d'une tentation, et votre esprit l'accepte. Le péché, comme le dit Jacques, est alors conçu. Et puis ensuite vient l'acte. Vous relirez Jacques 1, 14 et 15 notamment. Le fait de, de considérer le péché comme un acte défini par la loi de Dieu produit deux choses, la culpabilité et la punition. Dans le Nouveau Testament, le péché est aussi une puissance, c'est une force, c'est un principe qui habite dans votre nature et dans la mienne. Nous sommes nés avec... Cette nature et euh, avec cette force, et nous mourrons avec cette force. Dans Romains 7, Paul définit comme la loi du péché. C'est ce qu'ignorent la plupart des chrétiens, n'est-ce pas C'est défini encore une fois cette puissance en lisant tout le chapitre de Romains 7. C'est pourquoi, lorsque les chrétiens sont aux prises avec des luttes internes, hein, dans leur expérience chrétienne et qu'ils tombent malheureusement, mais ils se disent bon ben voilà, je ne suis peut-être pas un bon chrétien, je ne suis peut-être pas d'ailleurs un chrétien tout court, n'est-ce pas Et alors s'ensuit peut-être une déprime, une dépression, que sais-je En tout cas, un mal-être, de la souffrance. Nous devons savoir que le péché n'est pas encore une fois simplement un acte, chers auditeurs. C'est aussi donc une force, une puissance qui nous retient dans ses griffes. Voici deux déclarations qui nous aideront à comprendre ce problème. L'une vient de notre Seigneur Jésus-Christ et l'autre de l'apôtre Paul. Dans Jean 8, verset 32, Jésus est en train de parler avec les Juifs qui n'ont pas compris que le péché est une puissance, une force qui les retient prisonniers. Voici comment Jésus l'a expliqué aux Juifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pour ceux qui connaissent. Le texte biblique, oui, la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est affranchir, un verbe très connoté, c'est pas n'importe quoi. Ça fait penser donc à un esclave, un es l'esclavage, le, le verbe affranchir. Maintenant, si vous vous questionnez sur ce que Jésus voulait dire par le mot vérité, lisez le verset 36. Par ce mot vérité, Jésus faisait référence à sa propre personne. Car il dit, si donc le Fils vous affranchit, Jésus parle bien de lui, eh bien vous serez réellement libres. Mais alors de quel genre de liberté Christ parlait-il Il a fait cette déclaration aux Juifs, mais ils ne l'ont pas compris. Ils lui ont répondu au verset 33, ben nous, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. voyez, ils ont tout de suite associé. Le verbe affranchir à l'esclavage. C'est normal. Ils pensaient que Jésus parlait de liberté politique. Mais il mentait il ils mentaient car ils savaient bien qu'ils étaient sous la domination de Rome. Ils lui ont dit alors Nous sommes la postérité d'Abraham. Comment peux-tu dire que nous serons rendus libres Que veux-tu dire Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque commet le péché, ben c'est-à-dire l'acte, n'est-ce pas, est esclave du péché. D'ailleurs, la version anglaise King James dit serviteur, n'est-ce pas Serviteur du péché. C'est quand même terrible d'être le serviteur du péché. Et le mot grec, c'est esclave. Oh, il y a tout un monde de différences. Entre un serviteur et un esclave. On pourrait même dire que c'est à l'opposé, serviteur-esclave. Un serviteur bénéficie de nos jours d'un certain degré de liberté. Nous avons ainsi des serviteurs dans la vie courante. Lorsqu'ils n'aiment pas leur travail, ils peuvent démissionner. Mes chers auditeurs, chères auditrices, un esclave peut-il démissionner Non, un esclave n'a aucune liberté. C'est ce dont Paul parle au chapitre 7 du livre des Romains. La question que traite Paul dans Romains 7 porte sur l'incompatibilité qui existe entre la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse. Un chair dans le Nouveau Testament, c'est le mot Sarx en grec, et Sarx veut dire une chair déchue par le péché, une chair Polluer dans la majeure partie de son emploi, c'est ce que veut dire le mot grec sarx, qui veut dire chair. Et donc il y a effectivement une incompatibilité entre la chair pécheresse, la nature pécheresse humaine et la loi. À propos, la nature d'un croyant et celle d'un incroyant sont identiques. De sorte que la question qui est souvent soulevée à savoir si Paul fait allusion à son expérience avant ou après sa conversion est en réalité vraiment futile. Car aucun changement ne prend place dans votre nature lorsque vous acceptez le Christ. Ça reste une nature pécheresse. Nous restons effectivement sous l'emprise de potentiels, d'éventuelles tentations. Cette chair est à 100% pécheresse et elle restera toujours esclave du péché. Mais attention, attention, si vous ne lisez que Romains 7, vous aurez, excusez-moi, mais une drôle de conception de l'Évangile. Il ne faut pas oublier Romains 8, et nous y viendrons. C'est ce dont Paul discute. Il fait la déclaration suivante en Romains 7, 14, Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Nous y sommes, n'est-ce pas Je suis vendu au péché, vendu au péché. Autrement dit, esclave du péché. Puis il le prouve dans le verset 15 à 23, qui disent Mais je vois dans mes membres une autre loi. Il parle du péché en tant que loi, en tant que principe, en tant que force, et non plus forcément en tant qu'acte, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Bon, là, l'affaire est entendue, n'est-ce pas Chacun de nous, croyant ou incroyant, possède en lui la loi du péché. C'est ce problème, chers auditeurs, chers amis, qui nous empêche de mener la vie que nous désirons. N'est-ce pas Paul déclare, je veux faire le bien, mais je m'aperçois que je ne peux pas. Pourquoi Dans la dernière partie du verset 25, Paul utilise une expression ici très forte, qui n'apparaît malheureusement pas toujours très clairement dans certaines versions. Ce qu'il dit en réalité, c'est que... Laisser à moi-même, sans la grâce, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, livré à moi-même, le mieux que je puisse faire, c'est de servir Dieu et sa loi avec mon esprit. Mais avec ma nature, cela est impossible. Cela est impossible. Je sers la loi du péché. Romain 7, c'est un constat d'échec pour le chrétien. C'est véritablement un constat d'échec, n'est-ce pas Mais, comme je vous le disais, ensuite Paul dit, Qui me délivrera de cet esclavage C'est un cri du cœur, c'est un cri de désespoir. Qui me délivrera de cet esclavage Et la réponse vient, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, Dieu ne vous tient pas coupable pour la loi du péché qui habite dans vos membres. Nous sommes, vous êtes nés avec cette loi du péché. La, la force du péché, la puissance du péché, évidemment, ne produit pas la culpabilité, mais elle nous disqualifie, vous et moi, pour le ciel. On ne peut pas tenir responsable un enfant de l'alcoolisme de son père. On ne peut pas tenir pour responsable une jeune fille, eh bien, de je ne sais quoi de ses propres parents. N'est-ce pas? Mais. Mais cette nature, cette chair nous disqualifie pour le ciel. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50, nous lisons la chair et le sang, n'est-ce pas La chair et le sang. Et par ces mots, Paul veut dire la nature humaine pécheresse, n'est-ce pas Eh bien, cette chair et le sang ne peuvent hériter de quoi Ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Pourquoi Parce que ce qui est corruptible ne peut hériter de l'incorruptibilité. Alors quelle solution Dieu possède-t-il pour résoudre ce double problème pardon, du péché N'a-t-il qu'une demi-solution pour ce problème La réponse est non, bien entendu. Non, Dieu a une solution double pour le double problème du péché et nous avons besoin de la connaître, chers amis. Quelle est la solution pour ces péchés Je dis bien ces péchés au pluriel, hein, les actes qui nous apportent la culpabilité et le châtiment. Sa réponse, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans Hébreu 9, verset 22, nous lisons ⁇ Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. ⁇ Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans Matthieu 26, verset 28, Jésus est dans la chambre haute en train d'instituer la Sainte Seine. Je vais lire ce texte, Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Il est effectivement dans cette chambre haute, Matthieu 26, verset 28. Ayant aussi pris la coupe, et rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de la nouvelle alliance qui est rendu répandu pardon pour plusieurs pourquoi pour la rémission des péchés n'est-ce pas or je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nous de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, n'est-ce pas Jésus est encore une fois dans cette chambre haute, en train d'instituer la Sainte Cène. Il prend cette coupe et il dit ce que je viens de vous dire la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon, n'est-ce pas En d'autres mots, la mort du Christ sur la croix paiera le prix pour vos péchés et deviendra la base. D'un pardon acceptable devant la loi. Souvenez-vous, je vous prie, que le Nouveau Testament, euh, évidemment, a été écrit par des Juifs. Les Juifs comprenaient que le sang symbolise la vie. N'est-ce pas euh, Ce sang répandu correspond à la vie qui est livrée à la mort pour nos péchés. Parce que le sang de Christ représente l'accomplissement de la justice, de la loi, dans sa mort sur la croix. Le texte de 1 Jean 1, versets 7 à 9, Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et encore une fois, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Je m'arrête un instant sur la séduction. Vous savez, l'évangile, selon moi, n'est pas là pour séduire les gens. Parce que la séduction, il faut s'en méfier. Il y a un certain animal qui s'en est servi dans un certain jardin à une certaine époque, n'est-ce pas Et je crois qu'une certaine femme a été séduite. Alors effectivement, la séduction, il faut s'en méfier. Et là, Jean nous dit, ne vous séduisez pas vous-même, parce que là, du coup, la vérité n'est pas en vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Très beau texte, évidemment. Voilà une bonne nouvelle. Hein. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Il vous purifie de tout péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est véritablement la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais même si Dieu peut nous pardonner nos péchés à cause du sang de Christ, notre état pécheur, qui est à la base du péché, ne peut nous être pardonné. Vous ne pouvez pas pardonner la condition pécheresse. Dieu peut pardonner ce que vous avez fait, mais il ne peut pas vous pardonner ce que vous êtes. Il existe une solution pour tout cela. C'est évidemment la croix de Christ. Et il y a, je dois le dire, une théorie, nous en avons parlé très rapidement euh, ce début de semaine, la théorie de l'influence morale qui revient à faire comprendre, tout simplement c'est une, une théorie qui existe maintenant depuis 40-50 ans et qui est en train d'attaquer l'expiation, qui dit simplement que finalement Dieu a été envoyé à la croix uniquement, uniquement pour montrer aux hommes que Dieu aime la race humaine. Autrement dit, le sang n'avait pas besoin de couler, Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix, c'est simplement un acte d'amour du Père. Oui, bien entendu, quand on regarde la croix, c'est un acte d'amour du Père, mais si vous enlevez à la croix son aspect légal, si vous enlevez à la croix le péché, alors là, vous n'avez plus qu'un homme qui souffre pour d'autres hommes, physiquement, moralement, mais d'autres ont souffert à la croix. Oui, parce qu'ils étaient encore une fois des esclaves en fuite, ou alors des meurtriers, des assassins. Enlever l'expiation à la croix et enlever l'expiation finale, vous sabotez ni plus ni moins l'Évangile. Donc cette théorie de l'influence morale, elle n'est pas biblique, et je peux vous assurer qu'effectivement, si nous regardons la croix comme un acte d'amour et aussi comme l'expiation de nos péchés, expié cafard, hein, qui veut dire couvrir, adhérer, racheter, là, vous avez toute la gloire, toute la gloire de la croix. Mais il faut conserver à la croix son aspect légal. On ne peut pas évidemment terminer cette série sans parler de la résurrection. Je vous le disais dès lundi, chers auditeurs, chers amis, ce serait une étude incomplète. Et euh, pardonnez-moi si je n'ai pas pu faire ressortir tout ce que la croix a encore à nous apprendre. Mais il faut en finir avec la résurrection, car là nous sommes au cœur même de notre espérance. Je dis bien espérance, je ne dis pas espoir. Donc je vous donne rendez-vous à demain pour parler de cette résurrection qui est si capitale, si fondamentale. Nous allons prier et je vous souhaite une bonne journée avec Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour tous tes bienfaits. Tout est bien fait de la journée. Cette nuit, tu nous as sortis du sommeil, Seigneur, avec ce souffle de vie. Tu nous l'as conservé par grâce. Tout ce que nous pouvons voir, toute cette lumière, ce soleil, toute cette nature, toute cette vie, eh bien, elle n'est que le fruit de ton amour agapé. Et quand tu regardes cette terre, ce globe terrestre, tu vois des choses farouchement opposées à ta loi d'amour. Et je me demande, Seigneur, ou plutôt j'admire ta patience. J'admire ta patience. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, et permets que nous puissions rencontrer Te rencontrer à nouveau aujourd'hui, et rencontrer celles et ceux, comme dit l'apôtre Paul, ces âmes qui périssent, pour le rapporter de ta part, par ta justice, par tes mérites. Tous ceux dont ils ont besoin pour se sentir sauvés, Seigneur, aide-nous à accomplir cette merveilleuse tâche de proclamer cet évangile du pardon, de la grâce, de l'expiation, de la vie avec un grand V, mais une autre vie en attendant celle sur terre, l'autre Seigneur, avec toi, dans le ciel éternellement. C'est mon souhait pour vous et pour moi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la réflexion du jour. Ce sujet vous intéresse Contactez-nous au 05 90 82 19 19.